Et bonsoir à toutes et à tous, ici Sparash, pour le stream de samedi soir sur Styx, Master of Shadow. C'est bonjour Yoshi, bonjour Nel. Alors, la dernière fois, on remonte à il y a deux semaines. Parce que pour la semaine dernière, j'étais malade, je pouvais pas assurer le stream. D'ailleurs, je sors tout juste de la disque, ça m'a suivi un bon moment. Du coup, la dernière fois, on poursuivait toujours Styx. On est pas Styx, on est le clone de Styx Rakash. Donc on l'a suivi jusqu'à la planque. On a assassiné Oskan, parce que lui, il savait qu'on était pas Styx, sauf qu'il nous a menti tout le long le bougre. Donc on l'a assassiné, il est bien ici. Sauf que j'ai joué pendant hors stream. J'ai pas avancé la quête principale, je vous rassure. Mais j'ai tous les emblèmes de l'intro, donc aucune erreur déclenchée, aucun ennemi tué, la mission terminée en 18 minutes, et tous les jetons de voleurs, et j'ai volé la relique. Donc, Ombre et Clémence peuvent aller de pair, c'est pas trop compliqué quand on s'y prend bien. Célérité, quand on connaît le chemin de la mission, ça va. Par contre, les jetons de voleurs, c'est une purge à ramasser, ce qu'il y en a vraiment dans tous les coins, c'est horrible. Et pour le sérail d'Akenash, donc la mission 1, il manque que les jetons de voleurs et la relique. Parce que la relique, elle est gardée par Kabis, donc c'est pénible. Et le reste, j'ai pas fait. Du coup, ça m'a permis de récupérer des points de compétence en plus. Du coup, furtivité, j'ai eu le point qui me manquait en furtivité, donc je peux rester invisible indéfiniment tant que je bouge pas, ça consomme pas l'ambre. J'ai récupéré aussi, je crois que je l'avais pas ça encore, la vision d'ambre, elle est pleine, et du coup, assassinat aussi, c'est plein, et du coup, j'ai déverrouillé prédateur. Donc en fait, pour déverrouiller une compétence prédateur, en fait, il faut des compétences spéciales. En fait là, du coup, avec 300 points de compétence, je pourrais, donc vision d'ambre permet de décréter les ennemis et les jetons à travers les murs, regarde les arbres, vision d'ambre et furtivité débloquées à 100%. Chaque compétence prédateur en fait sont des compétences spéciales qui ne peuvent être déverrouillables qu'en ayant rempli des arbres définis à fond. Sachant que du coup, c'est assez pratique, le manipulateur des ombres, ça peut être pratique aussi. Et ça, si vraiment, voilà. Mais bon. Du coup, c'est parti. C'est pas du tout ce qui m'attend. Ouais, c'est bon. C'est parti. Down here. Oh la merde! Oups. Bon bah, va falloir tuer des gens. Va falloir tuer tout le monde. Oh putain. Oh la merde. Bon. Eh bah, ça va être joyeux tout ça. Du coup, ouais, j'aime le meurtre. Bah là, tu vas être servi ce que j'ai. Combien? Je sais plus quand j'en ai compté. 3, 4, 5, 6. Bah, 6 minimum, voire peut-être 7. Oh merde. Ah bah non, mais ouais, non mais c'est ça quoi. Ok. M'occuper du gars qui est tout au haut.
Oh la merde! La descente des gardes, quoi. Truc qui prévient absolument pas. Je suis chez moi, bordel! Ben non, mais il s'est retombé à ce moment-là. Oh, ça va être joyeux, tiens. Ça va être joyeux. C'est bon, il vient de monter son pantalon là. Allez hop, viens à toi. Ok. Et de deux. Ok. Ah, il y a une pièce là. Oh, évidemment, ils m'ont calé un chevalier. Oh, bordel. Alors, il y en a un là. Je crois qu'il y en a un deuxième qui traîne. Est-ce qu'il monte? Il monte ou pas? Non. Oh oh. Parce qu'en fait là je suis obligé d'y aller discrètement parce que si je me fais repérer par un j'ai pas d'endroit où me cacher. Je crains pas savoir une cage. Où est-ce qu'il est? Là. Arrivederci. Alors, en plus, il dit que la chaîne a dû lâcher, donc ils savent que c'est un accident. Ok. Ah si, j'en ai deux. Merci Yoshi. Ah mais c'est que les chevaliers, je peux pas les tuer, je peux pas les étrangler, je peux pas les envoyer de couteau. Parce que leur armure protège tout. Parce que leur... Donc ça va, ils sont persuadés que c'est un accident, donc ils sont pas alertes. Mais il y en a un, je suis sûr qu'il y en a un deuxième qui traîne. J'ai raté. Je sais pas pourquoi je l'ai raté d'ailleurs. Mais je dois être trop loin. Je dois être trop loin. Mais c'est pas moi qui l'ai loupé, c'est le jeu qui... Ah, mais non! Il est pas tuable via couteau, il a une cote de maille. Oh oh. Oh oh. C'est pas bon. Je peux pas me rendre invisible. Ah, si j'ai qu'une seule fiole d'ambre, donc
Il y en a un là. Attends, il y a un deuxième chevalier. Je sais pas. Je sais pas si c'est un chevalier ou pas lui. Non. Quoique. Alors même c'est que l'assassin aérien, je l'ai. Mais les deux là, ils me font peur, les deux gaillards. Si ça alterne tout le temps, c'est pas gagné. J'ai perdu de la vie, tiens, en faisant ça. Hop là. Ok, lui je peux le tuer comme ça, c'est bon. J'ai hésité à me rendre invisible ou pas, j'aurais dû. Je peux faire ça comme ça, ouais. Ok. Hop. Là, tu me vois pas. Oui, vas-y, arrête-toi là. Oui, parfait. Étage réglé. Ok. Ensuite. Encore une cage. Donc ça se trouve je peux encore en tuer un comme ça. Ok, donc il y en a un là. Il y en a combien à cet étage? Il y en a qu'un. J'ai pas de prise. Je peux pas voir ce qu'il y a en dessous. Par où je peux descendre? Ah bah c'est par là qu'il descend. Ok, il y en a un là. Et bah toi. Hop là. Oh merde, y'a lutte là-bas. Oh merde. Bon, non, là c'était obligé. Me demandez même comment il a fait pour pas me voir. Salut Gonzo. Du coup...
Du coup. Donc, il y en a un là et un là. Ok. Alors, l'autre qui a dossé, je peux l'avoir au couteau de lancer. Mais l'autre qui a la côte de maille, je ne peux pas. Donc, ce que je peux faire, c'est faire ça et ça. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Non mais prends le corps. Voilà. Tu vas le cacher sous l'escalier. Bon. Et à lui. Bouge. Tu as bougé, oui. Voilà. Ah non, il y en a pas été derrière. Étrier derrière. Ça c'est fait. Tac. Il y a un arbre à étrier et un chevalier. Donc, non. Si je me sors la cage, ça va pas le faire. Merde, je l'ai raté. Ah, puis du coup, faut que je recommence là. Ah oui, mince. bon. Donc, on reprend lui au couteau de lancer. Pendant que lui a le dos tourné pour qu'on puisse le choper sans qu'il voit. Comme ça, on peut tous les tuer sans alerte. Je vais essayer de faire. Maintenant, je vais vraiment essayer d'être bon. Je sais que venant de ma part, c'est bizarre dit comme ça, mais. Ok. Voilà. Toi, je te mets sous l'escalier. Et toi, tu viens avec moi. Toc, j'éteins ça. Et on sauvegarde ici. Ensuite. Ok. Donc il va se planquer là-bas, donc je peux peut-être essayer de le choper pendant qu'il est là-bas. Ou pas. Voilà. Ah, je peux chapeauter les escaliers là pour le coup. Ok.
Attends-toi. Retourne-toi. C'est bien. Je suis à côté de la batterie, mais il voit que dalle. Allez, viens avec moi. Hop là. Ensuite, du coup, il me reste l'arbre à étrier et le chevalier. Ça aurait dû compte qu'il y avait un problème. Ah putain, il m'a vu. Il s'est retourné au mauvais moment. Du coup, faudrait peut-être regarder que je me débarrasse du chevalier avant. Parce que le chevalier, je veux pas l'affronter à main nue. Je suis obligé de se prendre un truc sur la gueule pour qu'il meure. Donc. Ah non, il en reste un autre! C'est pas le chevalier, ça! Attends. Quoique. Non, ça n'a pas étrié ça. Lui il est mort. Ça m'intrigue. Il me fait peur le chevalier qui est au fond. Oui, il se barre. Ouais, donc il reste bien un chevalier et un abat-étrier. Ok, toi, tu te planques là. Où est-ce que c'est de là hein? Hop là. Ça c'est fait. Reste plus que lui. Et j'ai peut-être une idée sur comment l'avoir. J'ai ma petite idée sur comment je vais t'avoir, toi. On va jouer au clone. Alors. Tac. Non mais descends, stupide truc, mais tac. En plus, genre il m'a donné un coup de pied. D'accord.
Ouais, mais c'était pas ce que je voulais que tu fasses en fait. C'était trop haut pour lui, d'accord. Mais arrête, tombe. Putain mais. Lui, il remonte automatiquement les rebords. Salut. Je suis là. Couillon. Bim. Ben voilà. J'ai plus d'ambre, mais c'est pas grave. Du coup, je regrette qu'il n'y a pas rien à looter maintenant qu'il n'y a plus de cadavres. Pas plus de... S'il n'y a pas de cadavres, mais il n'y a plus de... Deux méchants pavots. J'ai plus rien à loot. J'ai rien à loot. Ok. Bon. Et bah c'est pas mal. C'était marqué ramasser. D'accord, il avait un couteau de lancer, lui, d'accord. On continue. If I can get a hold of this Querberus, I'll be a step ahead of Styx. I don't know what he wants to do with him. But it sounded important. So you think that I'm just a puppet? That you can pull a string and make me dance? Well, watch your ass, or I'll be dancing on your fucking grave. Soldiers, stay alert. Aaron was clear. With what's happened in the prison, we may well be visited by a creature of the elves. Querberus must not fall into their hands. I'm getting close now. The lab isn't far. But where exactly? What if I had a little chat with this soldier? He seems to be the guy in charge. All right. Listen up. Here's the deal. I ask you one question, and you get one chance to answer. Keep it short. Where is Querberus? The Mural's room. Ok. Maintenant, on sait où aller. J'ai pas toutes les ramassées parce que c'est galère à faire. Il faut vraiment que je fouille tout et tout, donc j'ai pas forcément eu toutes les ramassées, mais bon. Si j'en trouve une, je vais le faire. On regarde vite fait. Ah, la rue qui était dans la planque. Oh bah tant pis. D'accord. Non. Hop là. Ok. Du coup, la salle des fresques est là-bas. Ah oui, si, ok, ouais. En fait, faut qu'on fasse en sens inverse la mission... je sais plus laquelle. Qui veut dire que si je me trompe pas, ouais, ça grouille de cabis par ici. Ok. Il arrive à monter là.
C'est qu'il y a des cabis. Mais je suis sûr qu'il y a un garde qui traîne. Quoique. Quoique. Peut-être pas. Peut-être que des cabis. Non! Oh puis! Oh, il y en a un paquet! Oh, il y en a un paquet de cabis derrière! Oh, je hais ces bestioles! Oh, je hais ces bestioles! Oh, il a une fiole d'ambre, lui. Ok. Il y a deux cabis normaux. What? Ok. D'accord. Toi, je t'avais littéralement pas vu. C'est pas grave. Il y a deux cabis normaux, il y a deux gros cabis. Donc, les gros cabis, je peux pas les avoir au couteau de lancer. Les normaux, je peux. Mais pas les gros. Hop, tu mets ton couteau de lancer, toi. C'est pas cool, les gars. Ah, j'ai débloqué un succès, chapardeur. Voilà. Non ! Je vais ces bestioles. Créature de l'enfer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer le l'arbitrier là-haut en le poussant. Et une fois que je l'ai poussé, je me planque. Hop là. Ah, c'est que les cabis, ils s'attaquent pas les gardes, c'est pas cool. Lui, j'essaie de lui chourer sa fiole d'ambre. Le gars, il a fait du reculon. Il a fait du moonwalk. Oh, bordel. Non, si je veux sa fiole d'ambre, peut-être que je la chourre d'abord avant d'aller pousser l'arbitrier. Faut peut-être que je fasse ça dans ce sens-là. Yep. Il dégage. Hop, non, descend, 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 descend. J'ai sa fiole d'ambre et le couteau du gars. Qui a dit que j'étais pas bon? Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Ok, c'est bon, ils descendent tous les deux, d'accord. Bon. Maintenant, faut que je passe en échappant à ces merdes.
Non, 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 non. Ok. Found nothing suspicious. Je passe par où pour monter? Faut que je passe là-bas. Holy shit. Je déteste ces bestioles. Ah, quoique. Peut-être monter par là-bas. Ok, l'autre nos cartes d'âle, c'est bien. Ok. Et j'ai vu d'autres cabisses dans le fond. Si je fais pas surcroît pour sauter, ça va pas le faire. Non, putain, j'ai pas eu le temps de me planquer. J'aurais pas dû me relever. J'aurais dû rester accroupi. Quand il est accroupi, ils m'entendent pas. Là, il m'entend, c'est normal. Du coup, j'attends qu'il vienne. Il dégage. Bon, alors. Ok. Là. Hop. Toc. Plus qu'à faire le tour de la salle. Pourquoi ça sent le piège? Je sais pas, je... Wow. Il y a les autres clones de Styx qui sont passés, on dirait. Ou Styx lui-même. Oh oh.
Vite. Ah, c'est passé. Par contre, vu l'ombre que j'ai... Voilà. J'ai activé la trappe. Go get it. Well, what's left of it? It could have been dangerous. A little bit more and it might have reached the viaduct. But it wasn't so clever in the end, was it? Well done. The biter's been bit. Oh, the biting's just begun, my friend. Right. This viaduct. It's worth a look. Ouais. Le viaduc. Ok, il est en dessous. Ok. Alors, soit je descends à la barbare, mais c'est une très mauvaise idée. De toute façon, c'est le chevalier, ça? Ouais. C'est le chevalier. C'est le chevalier. Il y aurait peut-être moyen que je te pousse dans le vide. Il faudrait que je me rouille de me casser parce qu'il y a le cabis. Pourquoi est-ce que lui peut passer à côté du cabis sans avoir de soucis et pas moi? Ça, il a une fiole d'acide. Ah, quoi qu'il y a lui aussi. J'en fais pour... Ou alors... On essaie d'y aller sneaky. Quoique sneaky. J'avais oublié les cabisses d'en dessous. Bon. On va essayer d'y aller à la barbare. Hein. Qui ne tente rien, n'a rien. Non, Rakash. Quel est le type qui parle là? Non, tu me... Non, tu restes là-bas. Encore une cabisse en dessous. J'aurais dû faire plusieurs sauvegardes parce que là, je sens que je vais me faire coincer. J'ai pas de prise pour descendre. Ok, les assassinats aériens marchent aussi sur les cabisses. Bon à savoir. Bon à savoir. Ouah, ça me paraît bas, ça. What I wouldn't give for a small vial of amber. Non, faut pas que je monte par là. Faut que je descende. Que je fais un peu beaucoup le casse-cou, donc bon. Bon, il y en a combien de cabisses là? Une seule? Ok. Ah ok, je suis redescendu là en fait. D'accord. Bruma. J'ai débarrassé le terrain de ces horreurs. Alors. Duc est par là.
semblait qu'il y en avait un qui traînait. Ok. Ok, il y a des prises là. Ok. On va faire une deuxième sauvegarde. Du coup, 19h40. Ok. Je fais deux sauvegardes identiques comme ça. Fouille l'atelier. Ok, donc ça c'est une quête secondaire. Bon, on va le faire. Owain's not around. I should be able to find some valuable items in his workshop. Might be worth a look. Alors, c'est pas que je veux pas Astix, mais c'est que trois gardes et un larbin, c'est un peu too much quand même. Oh, il y a un orc. Non, reste à l'entrée. Bébé. J'ai bien fouillé l'atelier, mais je sais pas où il est. Ah, il est là-bas, du coup. Du coup, c'est ça. Ou pas. Ah si. D'accord, je suis allé, fallait y aller, mais je vois pas ce qu'il y a dedans, donc mais je sais pas. Ou alors il y a un truc que j'ai pas vu, mais ah ouais, j'ai eu les points de compétence qui allaient avec. Le problème maintenant, c'est qu'il faut repartir sans se faire voir. Il a dit qu'il est là-bas, quoi. Vas-y pour y aller. Quelqu'un là? Non. Et on prie pour pas se faire voir. Yes! Vous pouvez lire ce que vous voulez, je m'en tire super bien pour l'instant. On paraît d'habitude. Styx, you're next on the list. I'll find Querberus's lab before you do. Oh non, c'est. D'accord. Je me fais agresser dès mon arrivée. Ouais, c'est là où j'avais miséré une fois. Faut que j'arrive à descendre du coup.
Pour l'instant, j'ai que ça comme objectif principal. Les contrebandiers. Oh non! Il y en a qu'une? On va très vite le savoir. Ah non, il y en a une deuxième. Alors c'est pratique du coup d'être invisible et pas de consommer d'ambre quand on bouge pas. Oh c'est pratique. Par contre je sens qu'ils vont m'attendre en fait. Ouais ils m'attendent. Hi. Non, t'as rien vu. Putain. Les contrebandiers sont juste en dessous, quoi. Ouais, sauf que ça, c'est un peu un coup de sac en fait. Comment on y va? J'ai fait une sauvegarde au fait? Non. Non, c'est dangereux de sauvegarder ici, mais... il a un couteau de lancer, lui. Mais je suis full. Bon, faut que je trouve un moyen de descendre. Descendre. Je suis descendu. Il y avait une prise, vous voyez que tu t'y accroches en fait, mais bon. Tant pis. Voilà. What he's looking for. Apparently, he restarts the same experiment every day. So what? It's good for business. He'll eventually improve his distillation formula. But do you realize? Years doing the same thing every day. It's... And us, well, isn't it what we do? Repeat the same thing every day. Stand guard between four walls, except us, well... We're aware of it. Shit. Mm-hmm. Oh, faut que je remonte, c'est pas vrai. C'est quoi cette mission qui me fait à droite et à gauche? Ah, plutôt là, c'est plutôt de haut en bas d'ailleurs. Oi, Baldwin. You're the one who feeds Querberus. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You're joking. I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat.
1 month of fatigue duty against 1 week, and we share his ration between us. Go die, you piece of shit. Well, well. I better discreetly follow this Bodwin. Oh, la mission de... Merde. Allez. Une mission d'escorte, mais pas dans le bon sens. Même pas qui c'est, Bodwin. Ok, il est là. Non. J'ai perdu. J'ai perdu. Oh mon Dieu. Ah ok, il est monté là-haut, d'accord. Oh, il a une seule dent. Du coup, je pense que si je l'assassine, ça cancelle la mission. Il se tourne dans ce sens-là. Ouais. Pas cool. Envole-le, voilà. Je suis con, moi. Je fais ça sous son nez. En fait, ça me rappelle Spyro 2, quand on doit suivre le gars dans le espèce d'agent secret jusqu'à son repère, mais en bien plus pénible pour le coup. J'ai réussi à caler une comparaison de Styx à Spyro 2 quand même. Je suis fort. Mais non! J'étais dans le noir! Bon, ok, j'étais à côté de lui. J'étais dans le noir quand même! Du coup, faut pas que je l'éteigne la lampe. Du coup, la torche. Ok. What? Oh non. Dégage, qu'il y a Bodwin qui se barre. It's okay. It was nothing. Voilà, c'était rien. Putain, j'espère que c'est pas long son chemin pour aller chez Querberus. Enfin, chez Querberus. Là où ils l'ont enfermé. Mais c'est quand même fou que l'architecte de cette tour, il l'ait fait prisonnier, quoi. Enfin. Oh, faut que je passe là. Dis-moi qui va... Oh la merde. Oh, il me fait passer là, l'enfoiré. Faut qu'il va au-dessus, quoi. De toute façon, je suppose que... Il prend le chemin le plus sécuritaire. Enfin, ils me font prendre un chemin sécurisé, je pense. Pourquoi il va par là? Oh. Non.
Ok, donc là, il se retourne. Donc là, il faut que je me planque. C'est qu'elle est de l'ascar en bas. Je vais me mettre là. Ça, il me verra pas. Normalement. Bon, il y a là le bout de la dague qui dépasse, mais c'est pas grave. Ok. So this is where they're holding Querberus. I got to get him out alive. Oh, Querberus, I brought you your pitcher of water. Over there in front of the door. Yes, yes, that's it. As you want. Not fucking old fool. Ok. Y a que lui du coup dans la cellule. Ok, l'autre bar. Parfait. Pas un truc à loot. Si. Ah, je suis. Ouais, du coup, si je suis plein d'ambre, c'est vrai que je vais chourer la fiole de Baudouin. Hop là. Mais c'est tout, a priori. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you. I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Or was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh no, I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning. But I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear. And then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged. Believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Ok. C'est pas du tout ce qui était prévu. Mais pas du tout. Bon. Marc, c'est legit qui me voit, de toute façon. Alors. Du coup, si j'ai bien compris. Cette fois, bah, c'est vraiment une mission d'escorte. Va vraiment falloir
escorter Querberus. Super. Ok. Ok. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Ah, raté. Je sens que ce type va être un boulet en plus. Aïe, hé. Comment j'ai volé? Par contre, je vais réaliser toute mon ombre pour ça, quoi. Ah, mais... D'accord, ok. J'ai compris. Ah, j'ai pas fait de sauvegarde. Oh. Donc j'ai plus d'armes. Super. Je vais tout utiliser pour un putain de clone. Super. J'aurais dû faire une sauvegarde avant. Il y a forcément un pattern à respecter, mais raté. Bon, on va recharger quand même parce que je sais plus où ça me mène. Enfin, ça me mène, ça me renvoie où? Ok, là. So this is where they're holding Querberus. I got to get him out alive. Yes, yes, that's it. As you want. Fucking old fool. Voilà. On va passer la cinématique, hein. Là, on sauvegarde. Voilà. On va faire une double sauvegarde. Bon. C'est parti. Voilà. Yes. Et on rouvre la porte. Ben voilà. Oh là là. Attends, je peux pas sauvegarder? Ah, si, je me disais aussi. Oh, ça va être une purge, c'est une vraie mission d'escorte, quoi. Comment je l'appelle ? Comment je fais pour l'appeler? D'accord, ok, faut aller lui parler. Il était dieu, mais il est pas très con, pas si con le vieux quand même. Là, je vais abuser des sauvegardes parce que je me sens très mal. Mais non, pourquoi je fais ça, moi? Heureusement que je suis loin et dans l'ombre.
En fait, c'est lui qui doit y aller d'abord. Moi, j'y vais après. Donc là, faut que j'attende que les deux là fassent demi-tour. Voilà, vas-y. Stressé là pour le coup. Ok. Prendre le risque qu'il y aille. Et du coup, ouais, ça déclenche des réactions comme si c'était moi. Alors. Donc il aille en bas. Je vais faire une sauvegarde en fait à chaque rencontre de Quarburus, comme ça. Faut aller voir les contrebandiers ou quoi en fait? Trouver les affaires de Quarburus. Planque. Contrebandier. Ok, donc chez les contrebandiers, c'est les... Ok, d'accord. J'ai compris. L'autre garde il est là. Vas-y, essaye. Ok, il est passé. Faut qu'il aille où ce con? Non, mauvaise idée. Voilà. Je voulais voir où il allait en fait. Okay, donc maintenant, faut éviter l'arbalétrier. Nickel. Ok, il repart. Faut qu'il aille là-bas. Ouais, on va bien, faut que lui, faut pas que lui me voie en clair. Là, il va aller boire. Non, même pas. Si. Je fais ça pendant qu'il fait le tour, pendant qu'il fait demi-tour. Allez, go!
Ça, les affaires de Quarberus. Je vais essayer de les choper quand même. Sans il est là, personne ne peut le voir. Aïe aïe aïe. Ok. Find a fool to buy a crack condenser, especially if I promise to get him some horizontal pleasure. I'll go get it. See you later. Cause I can always find a fool to lead me straight to his hoard. Faut encore que je fasse une mission. Oh putain. Qu'est-ce que je ferais pas pour des quêtes secondaires quand même? Qu'est-ce que je fais pour les points de compétences surtout en fait? Que mon dieu que j'ai besoin d'avoir des compétences dans ce jeu. Évidemment, j'ai passé là il y a des cabis, sinon c'est pas drôle. Et pas ici avant d'ailleurs. Ok, ça va, c'est pas très loin. C'est pas très très loin. Je suis un peu allé en mode YOLO style. Ok, il dort. Temps d'y aller discret. Une fiole de vie. Une pièce et je suis full en ombre. Ok, on repart. Pour l'instant, le seul garde que j'ai tué, ça, je pense que le jeu considère que c'est un accident vu que je l'ai poussé. Enfin, le seul garde que j'ai tué. Je sais pas si du coup ça compte tous ceux que j'ai tués en début de mission. Pour la mission Clémence. J'espère que la mission l'emblème Clémence ne prend pas en compte les gardes que j'ai dû tuer dans la planque. Parce que si ça les prend en compte, je suis un peu déçu pour le coup. Parce que je veux vraiment y aller là pour le coup. J'y vais vraiment full discrétion. Et ça, pour l'instant, ça marche. Bon, maintenant, faut que j'en réussisse à remonter. On verra bien quand la mission sera terminée les emblèmes que j'aurai. Si j'en ai, évidemment. Là y a un... non, là y a rien. Ok. Je vais bien être ici, mais ça me sert à quoi? Rien à loot. Escalier.
Il doit bien me mener là où je veux. Ouais, mais. Non, tu m'auras pas, c'est toi. Toi, tu m'auras pas. Comment je remonte à Querberus? Comment je remonte le voir? Bien compliqué cette histoire. Je monte l'escalier qui est là à tous les coups. Ouf. Il y a un gros cabis en plus. Alors, y'a quoi dedans? Y'a un garde. Ok. Je me demande si j'aurais pas dû en fait plus avancer avec Querberus avant de vouloir récupérer ses affaires. Mais bon. Y'a pas de raison que je sois coincé. Et là-bas en fait. Mais bon. Oh, ça grouille de garde. Y'en a partout. Ah, c'est pas du sable ça. Oh, je suis déçu. Ah mince, oula. Problème. De toute façon, si cette porte, de toute façon, ce jeu, il y a plusieurs chemins pour le même problème d'objectif. Il y a juste des chemins qui sont plus hard que d'autres. Non, mais les gars, abusez pas non plus. À moins que j'y aille en étant invisible. C'est une solution. Attendre que lui y passe. Un chevalier dans l'eau. Parce que la planque elle est là-bas en fait. Ça fait chier de devoir ouvrir la porte à chaque fois, donc on va sauvegarder quand on est ici. Alors, lui il va où? Il va jusqu'au fond et il fait demi-tour. D'accord. Donc, il y a peut-être moyen que je lui passe derrière. J'ai relâché la pression trop tôt.
J'ai relâché la pression trop tôt. Je suis passé devant le chevalier sans qu'il voit. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, il y en a un autre là. Ok. C'est bon, je suis revenu à Quarverus quasiment. Non. Non. Voilà. Ok. Dépêche-toi. Que ce passage va être tendu. Ok, lui il l'a pas vu. J'espère que t'es bien flanqué parce que je suis encore loin. Non, ça va, les gardes ont tous la même ronde. Ça passe, ouais, ils tombent tous là. Ok. Alors maintenant, il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Ok, là. Donc faut pas qu'il garde dans ce champ de vision là. D'accord. Vas-y. Ok. Ah, on y est. Je regarde quand même. Come on. Let's go. I'm taking you to my place. Yes. Fouf. Sauf que c'était secteur 3 sur 4. Is here. I managed to find him. Good. Good. Now I must question him. Get information. How to reach the heart of the tree. There has to be a way. Come on, Rakash. Make him talk. Come on. What? Was it me who said that? What am I talking about? I don't give a shit about the heart of the tree. Possibly a fart, but not a shit. To find Styx and see his head on a platter. That's gonna be my birthday present to myself. My rite of passage. I may have been born yesterday, but I'm all grown up today. Now on, I declare I will obey no one. And I'm gonna write it in Styx's blood. Well. Happy birthday, Rakash. Huh? Happy birthday, Styx. Here, it's your present. I forged it myself. It is magnificent. Thank you. 30 winters. Yes, it's 30 winters since your mother brought you into the world. You're an adult. From today, you no longer have to obey me. You can decide your own life. Are you sure you want to leave? I am sure, Father. I must make this journey. Finish my initiation. Become a true shaman. But why so far? I want to see the world tree with my own eyes. Study the amber that flows from it. I felt such a powerful force.
Come back one day, son. I promise. What? I remember. My father gave me a dagger the day... Wait. That's impossible. This memory is not mine. I don't have a past. No past! Styx. He's fucking up my thoughts. It's not my family. It's not my father. It's not my memory. Styx, you bastard. Answer me. Did you do this to me? Ah, how ungrateful. I allow you to share my most precious memories and you insult me. Listen, Rakash. You're gonna bring me Querberus. Your little rebellion has already cost me precious time. You've manipulated me for the last time. I'm not manipulating you. I'm asking you. Bring me Querberus. And why would I do that? Because I have everything you desire. A past. A name. I don't want your memories. I want you to get out of my head. That can happen. If you help me to reach the heart of the tree, you get your freedom back. Bring me Querberus. Bring him to my laboratory. Your laboratory? And how long have you been holed up in this tower? And where is your laboratory? You know all that. Now hurry, I'm waiting for you. What? But, no, I... The laboratory. But yes, I remember where it is. I think I know how to get there. Damn. I've never been there. How can I remember that? Mais ce jeu, bordel, ce jeu. L'histoire de ce jeu. Oh putain. Toute la première partie du jeu jusqu'à ce qu'on sauve Styx, enfin qu'on libère Styx. C'était bon, c'était un jeu d'infiltration classique sans vraiment parler d'histoire. Mais depuis qu'on a libéré Styx et qu'on s'est rendu compte qu'on est un clone, ce jeu, bordel! Bon. Donc il y a la relique qui traîne dans le coin. Il y a la relique qui traîne dans le coin. Non. J'ai dû le trouver quand même. La planque est pas si énorme que ça. Non, ça c'est vers Styx. De toute façon, il faudrait que Querberus soit là. Donc, le temps que le vieux il fasse le trajet. Ah non, il est là-bas, Querberus. D'accord. Je peux faire autant de bruit que je veux, je suis tout seul ici, de toute façon. Non, comment tous les gardes ils ont disparu. Ils ont des pop. Aïe, ça pique. où es-tu, petite relique? Où es-tu? Il me semble que leur vision d'ombre l'indique. Mais bon. Oui, de passer des heures à chercher la relique. Passage. Mon Styx est au-dessus. De toute façon, pourquoi il y aurait une relique dans ma propre planque? Quand on y pense, s'il y en avait une, je l'aurais déjà chopé en fait. Enfin, me dire je l'aurais déjà chopé. Ça aurait été intuitif qu'il y en ait une depuis le départ du jeu, du coup. Bon, Querberus il m'attend là-bas, donc on va aller le chercher. Prisme est là, lui.
Enfin bref. Enfin la mission, hein. Parce qu'on a techniquement pas encore fini. Ok. Alors, Verstix. Alors, ennemis de mieux en mieux. Il est où? Ah, il y en a deux, d'accord. Ok, alors est-ce que ça fonctionne comme des gardes normaux ou est-ce qu'ils peuvent me choper de plus loin? Alors déjà la grande question c'est comment je vais de l'autre côté. C'est la grande question. Comment je vais de l'autre côté? Ah ok, je pars là. Mal en plus, et ça prévient pas quand ça nous repère en plus. Ok, donc ce sont des trucs très chiants. Non 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 non. Ok, donc les damnés, vous allez être pénibles, mais très pénibles en fait. Oui, dès qu'il me repère, c'est game over. Donc, enfin, j'ai droit à deux coups, a priori. Putain. Putain, j'ai pas assez d'ambre. Non, mais il y a le deuxième. Je fasse je boive une fiole. Ah non, c'est que ça m'enlève de l'ambre en fait. Merde. D'accord. Ok, ça m'enlève de la vie et de l'ambre. Ok. L'ennemi pas du tout chiant en fait. Et du coup, j'attends que lui me chope au final en fait. Ça. Et ça. Oh putain. D'accord. Ça me repère même quand je suis invisible.
J'ai pris une fiole de vie, je peux. Bon, là-bas. Si j'y vais, je vais me ramasser et je vais y avoir un. Je vais crever. J'ai vu qu'il y a un damné ici. Qui me voit pas, Chier. Ça me voit quand je suis invisible. Comment je fais? C'est par là-bas, mais... Ok, en fait, je peux les semer, en fait. D'accord. Bon à savoir. Et du coup, est-ce que je peux les distraire avec un clone ? Oui, je peux les distraire avec un clone. C'est bon. Jamais autant détester des ennemis dans un jeu vidéo, quoi. D'accord. Moi, avoir compris ce qu'il faut faire. Allez, clone de clone. Ok. So you didn't bring Querberus. And yet, it was in both our interest. You're not making my job any easier. That's for sure. I'm done with being a tool. I only obey myself. Oh yeah? And you decided what? What's your secret goal? How can you know what you want if you don't know who you are? If you are, in fact, nobody. You've never lived anything. You didn't ask to be here. Me, I crossed 2 centuries of nightmares to reach Akanash. I lost everything. Forever. Now, since you're so worn out, why don't you let go? You're just a bunch of old memories that are overflowing, screaming to get out of your skull. You're good for nothing. Listen, you and me, we have one life between two. You've got the past. Leave the future to me. It's a fair deal. Why are you so desperate to kill me, Rakash? Me,
who brought you into existence. I want to kill you because, well, at least I know it was my idea. Oh, really? Well, I can't argue with that. And yet, I could almost have whispered it to you. I'm so tired after all these years. All these voices gnawing at my mind. I came here to finish it. So, asking you to kill me is almost a good idea. Assuming, of course, that you're able to, which isn't the case. Oh, you think so? Wait and see. Me prendre par surprise, c'est moche. J'étais tellement absorbé par la cinématique que je me suis fait avoir comme un bleu. Eh ben dis donc. On va passer tout ça. Et il faut plusieurs coups pour les stunts et clones. Eh ben dis donc. Cette mission est très intéressante pour le coup. Mais oh, il est chiant lui. Several times. I was finished. And all this damn amber running in my veins won't let me die. Wesh, là, j'ai plus rien. J'ai un couteau et une fiole d'ambre, c'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est que c'est stick ça ou c'est un clone encore? C'est un clone. Ok, donc en fait il va jouer avec ça à la soirée avec moi. Ok. Tu vas jouer à ça avec moi? Très bien. I don't need a defective tool. Ah, my head. I can't stand it. Shut up. Everyone, shut up. I feel it. An elf. He's approaching. Quick, get out of here before my head explodes. This reflection. It's me? What have I become? A Rakash. A monster. What have I done? I feel so weak. How long ago did I leave my family? I am no longer worthy of being an orc. May my ancestors forgive me! What? What? Yeah. Where am I? Emmett, you're alive. I was afraid that I would arrive too late.
What? Alors, on va récapituler plusieurs choses. Déjà, ce qu'on a vu dans la cinématique, en fait, dans celle avant de qu'on commence à affronter Styx et dans celle-là, et du coup, ce qui est confirmé dans celle-ci, Styx est un orc. Donc c'est un gobelin. Depuis quand c'est un orc? Enfin, je sais pas, mais... Alors, je sais que Styx, Master of Shadows, est un lien avec un autre jeu qui s'appelle Of Orcs and Men. Alors, il doit y avoir le lien doit être plus proche que ce que je pensais. Je pensais que c'était juste un spin-off, mais au final, c'était pas qu'un spin-off. Mais, ok. Ensuite, seconde question. Hein, c'est qui, lui? C'est qui, l'elfe? Et qui est Emmett? C'est le vrai nom de ce racache-là? C'est quoi? Enfin, je sais pas. Bon, sinon, terme d'objectif. J'ai fait toutes les missions secondaires sauf la relique, et j'ai réussi l'emblème ombre sans aucune alerte déclenchée. C'est cool. Du coup, à la planque. Succès devrait pas faire la mission 5. You saved my life, elf? Why? I may have a few screws loose, but I think if any of you assholes were friends of mine, I'd remember it. We have a common enemy. I am an ambassador, the elf representative to the humans. I know that Styx aims to steal the heart of the tree. And the tree cannot live without its heart. Its death will lead to the destruction of Akhenash. Styx is constantly seeking to poison relations between elves and humans in order to have a free hand. All it needs is a spark, and then it will be war. And you were counting on me to stop him? I know that Styx and I look alike, but I'm the one who just got my ass kicked like a rookie, you know? He's stronger than me. I can't beat him. You will stop him. These are things that we elves can foresee in the Amber. But for that, you must rid yourself of his mark. The one that allows him to maintain his hold over you. And I know a way. What? Where do I sign? Does it hurt? Tell me, damn it! Without this link between us, I could face him on equal terms. At the moment, you are but an imperfect duplicate. But if you were to place yourself inside one of our empty cocoons, you could become complete and be reborn as a perfect creature of the Amber. Anything to break my link to Styx. So make it quick, time is short. Take me to an empty cocoon. I will do it, but there are more pressing matters. The destruction by Aeron of the bridge that leads to the heart puts us in a situation close to war, but it has allowed us to delay Styx's plans. Now that we have Querberus, we must get him out of here. Without him, Styx will never find out how to reach the heart. All that remains is for you to escape his hold, and then to track him down and kill him. And I shall help you. But the most urgent task is to restore diplomatic relations between humans and elves. I have requested an audience with the governor. I shall expose the scheming of his son, Aeron. As a man of reason, Barryman will understand, and tensions can be eased. I just need you to collect some documents from the library. I shall tell you more on the way. Very well. I'll help you to get these documents. And then we put Querberus in the first airship leaving the Atrium, and I get rid of this cursed mark. And finally, a Styx hunt. I think I'm gonna enjoy this. Thank you. But before I leave, I must tell you that the other elves do not look kindly on our cooperation. Do not expect to be treated as a friend by my kin. The feeling's mutual.
Ok. Donc, on va récapituler la situation. Cet elfe, là, donc on ne connaît pas le nom, va jouer en fait le rôle d'Oscan qui a des pop. du coup, c'est lui qui va nous donner une mission et qui va nous aider. Donc, la prochaine étape, c'est de libérer Styx de l'emprise, bah Rakash de l'emprise de Styx. Est-ce que je suis full? Non, je suis pas full, mais c'est pas grave. Bon, j'ai deux couteaux de lancer, trois fioles d'acide, j'ai deux fioles de vie sur trois, j'ai une fiole d'ombre sur deux, c'est pas mal. Du coup, la prochaine fois, je sens que ça va être rock'n'roll. De toute façon, on se rapproche en plus de la fin du jeu. Alors déjà. Là, on a fait la mission 5, et j'ai regardé dans les, je sais, dans les succès Steam, il y a 7 missions en tout. Donc, je pense que si je gère bien, en 2 lives, on a fini. On va faire les compétences, déjà. J'ai pas assez pour ça. Faire la gorge, bref. Du coup, clonage. Voilà. Ok. Eh ben, j'ai furtivité à fond. Bon, t'es bien inutile ça contre les clones, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai furtivité à fond, agilité 3 sur 4, clonage à fond, vision d'ombre à fond, équipement 3 sur 4 et assassinat à fond. Hey. Je suis bon là. Là, ça regarde. Ouais. Je sais pas si avant le prochain stream, je farmerai les autres points de compétences pour avoir un peu plus de compétences pour les prochaines missions. Mais voilà. Du coup, je vais faire une nouvelle sauvegarde. Ça. Ça. Et ça. Ok, on est bon. Du coup, menu principal. Voilà. On va quitter le jeu. Donc, la suite sur Let's Play France. Je ne la connais pas. Parce que vu que je suis je stream le samedi soir et qu'on met les créneaux pour la semaine d'après le dimanche, je ne connais pas les prochains créneaux. Donc, il y a normalement entre guillemets, sauf imprévu qu'à la dernière fois, le samedi prochain pour la suite de Styx. Pour les autres, je ne sais pas, peut-être MTA samedi prochain, vu qu'il ne pouvait pas stream ce week-end. Peut-être Yotol, sûrement Drakkane, qui nous fera du Ni no Kuni 2. Pour la suite, je ne sais pas. Donc, on va se quitter en musique. Quant à moi, vous avez tous les liens sur ce magnifique écran de fin de stream. Du coup, merci de m'avoir suivi, et à la prochaine.